ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mes frères et mes sœurs, nous allons parler d'un hadith qui est rapporté par l'imam Ibn Majah, que l'imam Al-Albani, rahimahullah, a dit, qui est Hassanun Sahih. Ahmed Shakir a dit aussi que sa chaîne de transmission était véridique. Abdullah ibn Muhayriz a dit, j'étais auprès de Abi Mahdoura, c'est un compagnon, radiallahu anhu. Il lui dit, je vais partir vers la Syrie, la grande Syrie. Et j'ai peur que les gens me demandent à propos de ton appel à la prière. Alors, explique-moi, annonce-moi, comment est l'appel à la prière. Alors Abu Mahdoura a raconté, il a dit, je suis sorti avec les associateurs qui sont sortis à Fath Mecca. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré à la Mecque victorieux, il est parti à la bataille de Hunayn. Il a emmené avec eux une partie des mouchriquins qui n'étaient pas encore musulmans. Et eux, ils sont sortis pourquoi ? Pour le butin. Ils ne sont pas sortis pour l'islam. Et avec eux, Abu Mahdoura est parti avec eux. Il a dit, alors qu'on était en chemin de retour, le muaddin du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a fait l'appel à la prière alors qu'il était à côté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. On a entendu sa voix alors qu'on était caché, il dit Abu Mahdoura. Et on a commencé à l'imiter et à se moquer de lui. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a entendu la voix. Il a envoyé les compagnons, il a dit allez me chercher ces gens là-bas. Les compagnons, ils ont été les chercher, ils les ont ramenés devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils nous ont assis devant le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, lequel d'entre vous ai-je entendu que sa voix s'est élevée? Tout le monde a dit, c'est lui. Ils ont montré qui? Abu Mahdoura. Ils ont dit la vérité. Il lui a dit, lève-toi. C'est ta voix que j'ai entendue? Il a dit oui. Il a dit, allez, partez tous. Il les a tous lâchés. Et il a dit, toi, viens ici. Il lui a dit, lève-toi. Et fait l'appel à la prière. Il a dit, quand il m'a dit ça, mon cœur était rempli de haine contre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas une chose que je déteste plus que la haine. Après, il m'a dit, dis, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad Rasulullah, ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Il lui a dit, maintenant, élève ta voix. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Puis il m'a appelé quand j'ai fini de faire l'adhan et il m'a donné un sac dans lequel il y avait de l'argent. Puis il m'a mis sa main sur ma tête et il a passé sa main sur mon visage et sur ma poitrine et sur mon foie jusqu'à qu'il soit arrivé à mon nombril. Et il m'a dit qu'Allah te bénisse et que la bénédiction d'Allah soit sur toi. Il a dit à ce moment-là, toute la haine que j'avais dans mon cœur contre le messager d'Allah est partie et s'est transformée en amour pour lui.
Et tout ce que je détestais comme adhan, maintenant j'ai aimé faire cette action. Je dis, Ya Rasulallah, désigne-moi comme mu'adhin de Mecca. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a désigné comme mu'adhin de Mecca. Il est arrivé à Mecca et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait mis comme gouverneur à Mecca Attab ibn Usayd. Il lui a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a ordonné de faire l'adhan à la Mecque. Alors Attab ibn Usayd l'a désigné comme mu'adhin de Mecca. Abu Mahdoura, il s'appelle Aws ibn Mi'yar. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il l'a désigné comme mu'adhin de Mecca. Et sa descendance, ils ont hérité de l'adhan après lui. Je ne sais pas, c'est jusqu'à aujourd'hui peut-être. En tout cas, voilà comment c'était à l'époque. Et peut-être jusqu'à aujourd'hui, c'est les descendants de Abi Mahdoura qui font l'adhan à Mecca. Dans ce hadith, il y a beaucoup de leçons à tirer et beaucoup de règles religieuses. Là, on a lu, nous, la version de Ibn Majah et Al-Nasa'i et Al-Tirmidhi. Abu Mahdoura dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a enseigné l'adhan 19 phrases et l'Iqama 17 phrases. C'est une riwaya sahiha dans Sahih Al-Tirmidhi ou Abi Daoud. Voilà que dans une version de l'imam Muslim, c'est le même adhan qu'on vient de voir. Sauf que le takbir, c'est de 2 et non de 4. Mais, comme vous savez, à l'époque, les livres de hadith, ils étaient écrits comment? À la main. Et les élèves des muhaddithines, ils copiaient les livres. Il y avait des copieurs. Comme aujourd'hui, il y a des photocopies. Il y avait des gens, ils étaient connus pour copier les livres. Et les savants de notre époque, qu'est-ce qu'ils font? Ils récupèrent toutes les versions qui sont écrites à la main, avec qui l'a écrite, et ils comparent entre elles pour en sortir la version la plus claire et la plus propre. Ça a été donc rapporté dans une version de livre de Sahih Muslim, dans certaines riwayas de Al-Farisi. Al-Farisi, c'est celui qui a copié le livre ou qui l'a noté, c'est-à-dire ça vient de lui, le Sahih Muslim, que le takbir, c'est 4 fois. Et le fait de faire 2 fois le takbir et le tarji', ça c'est le madhhab de l'imam Malik ibn Anas, radiyallahu anhu wa rahimahullah, qui disait que les gens de Médine, à son époque, ils faisaient le takbir 2 fois, et il s'est basé sur ce même hadith d'Abi Mahdoura, mais dans la version de Muslim. Alors que la majorité des savants, ils ont dit qu'il faut faire 4 fois le takbir, et ils se sont basés sur ce hadith, et sur d'autres hadiths, où le sahabi qui avait vu en rêve le adhan, et qui est venu le dire au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il y avait 4 takbirs aussi. Alors que les gens de la Mecque, comme on a dit, ils faisaient 4 takbirs. L'imam al-Nawawi rapporte dans le Sharh de Muslim que la Mecque, c'est l'endroit où tous les gens se réunissent pour le pèlerinage, pour la Umrah. Et tous les compagnons se réunissaient aussi là-bas pour le pèlerinage et pour la Umrah. Et personne parmi eux n'a critiqué le fait de faire 4 takbir dans l'adhan. Surtout que là, c'est le même rapporteur, c'est Abi Mahdoura. C'est le même sahabi. Et il raconte la même histoire. Et dans toutes les versions de Sunan, que ce soit dans Nasa'i, Ibn Majah, Abu Daoud, et Tirmidhi, c'est rapporté 4 takbir. Et dans une version aussi de Muslim, comme on a dit, min tariq al-Farisi, min ba'di turuq al-Farisi, c'est rapporté 4 takbir. Certains ulama, ils ont vu que la version où il y a 2 takbir, elle est faible. As-sahih, c'est 4 takbir. Non. On voit dans ce hadith que c'est une sunna de faire at-tarji' dans l'adhan. At-tarji' c'est quoi? Le fait de dire à voix basse, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah, 2 fois avant de le dire à voix haute. Le plus juste, c'est que l'adhan, on le fait comment? De cette manière-là. Ça, c'est la manière de réunir entre tous les hadiths. Et sachez aussi qu'Abu Mahdoura, il est arrivé vers la fin. Donc ça prouve que c'est ce adhan. Celui qui laisse le tarji'a, le fait de dire à voix basse, son appel à la prière est juste, mais il aura laissé la sunna. Comme on l'a vu dans ce hadith, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Retourne et dis-le maintenant à voix haute ». Ou il lui a dit d'avoir voix basse, il lui dit maintenant élève ta voix. Naam. La voix de Abi Mahdoura, elle était très belle. D'ailleurs, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam choisissait pour l'adhan celui qui avait la voix la plus forte et la plus belle. Naam. Donc il faut savoir que l'adhan c'est une nouvelle. Et Allah tabaraka wa ta'ala il nous a interdit d'accepter les nouvelles des pervers ou des débauchés. Car Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran, Ya ayyuha alladhina amanu, in ja'akum fasiqun binaba'in, fatabayyanu. Donc l'adhan, c'est parmi les annonces les plus importantes. Donc on doit choisir quelqu'un
de confiance pour l'adhan, surtout dans un pays musulman. Ils arrêtent de manger sur son appel à la prière. Ils font la prière avec son appel. Alors imaginez-vous si c'est quelqu'un qui n'est pas de confiance. Il va mettre tout le monde dans l'erreur. Le mu'adhdhin, il doit connaître les horaires de prière. Comment on connaît que l'heure de prière est entrée? Comment on connaît que l'heure de prière est sortie? Quel est le début, la fin de l'heure de prière? Quels sont les signes sur lesquels on s'appuie pour connaître les horaires de la prière? C'est ça, son travail et sa responsabilité. Barakallahu fikum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de prendre quelqu'un pour l'adhan qui ne cherche pas un salaire ou un travail. Il ne fait pas ça comme un travail. Ça, c'est plus proche de la sincérité. Quelqu'un qui fait la da'wah, il appelle les gens à la prière avec sincérité, bi'idhnillah, les gens seront plus touchés que quelqu'un qui le fait comme un travail. Tu vas trouver des gens dans certains pays musulmans, le mu'adhdhin, c'est quelqu'un qui tient pas les ordres de l'islam, déjà en apparence. Tu le vois, il fume. Tu le vois, il fait des choses haram devant tout le monde. Et les mu'adhdhin. Allah Ta'ala, il parle de lui dans le Coran en disant, quelle meilleure personne, quelqu'un qui appelle à Allah et qui fait des bonnes actions et qui dit, je suis parmi les musulmans. De même, celui qui aura le cou le plus long le jour du jugement dernier. De même, toute chose témoigne pour lui. Il y a plus de récompenses dans l'adhan que dans l'imam, que d'être imam. Sauf pour un dirigeant. Le dirigeant des musulmans, lui, il fait l'imam, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait, et comme les compagnons, les califes après lui, c'est eux qui dirigeaient la prière des musulmans. Est-ce que ça veut dire, barakallahu fikum, que c'est interdit de donner un salaire à quelqu'un qui fait l'adhan? Non. On voit dans l'histoire de Abi Mahdoura que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a donné un salaire ou il lui a pas donné? Il lui a donné un sac d'argent, n'est-ce pas? Mais ça doit pas être l'objectif du mu'adhdhin. Il ne doit pas prendre l'adhan comme un travail. Mais lui, il doit aimer faire l'adhan pour Allah, pour l'adoration. Et comme il est libéré toute la journée, venir faire l'adhan 5 fois par jour, c'est-à-dire où tu travailles juste à côté et t'es libre, tu peux venir repartir, ou tu peux pas. Et surtout dans cette époque où les gens sont très occupés, si tu libères pas quelqu'un pour s'occuper d'ouvrir la mosquée, de faire l'adhan, il n'y aura même personne ni qui ouvre ni qui fait l'adhan. Beaucoup d'adorations, elles vont s'arrêter, on pourra pas les faire à cause de ça. Donc il est permis de lui donner un salaire, mais le salaire ne doit pas être l'objectif, barakallahu fikoum. C'est pas une récompense pour son adhan. C'est juste une aide qu'on lui donne pour pouvoir se libérer. Une entrée d'argent pour qu'il soit libre. Lui, pourquoi? Pour être au service des musulmans. Quelqu'un qui fait le pèlerinage. Par exemple, quelqu'un n'a pas d'argent. On lui dit, viens, je te paye pour faire le pèlerinage pour ma mère décédée ou pour mon père. C'est permis qu'il prenne cet argent à deux conditions. Ou bien parce qu'il avait envie de faire le hajj et il n'avait pas les moyens. Donc quand quelqu'un dit, tiens, fais le hajj pour ma mère, il est content parce que comme ça, ça lui permet d'aller faire le pèlerinage, même pour quelqu'un, mais au moins, ça lui permet de voir la Mecque, la Kaaba, de faire dua, car les invocations qu'il fait, l'effort qu'il fait en plus, toutes les dua, c'est pour lui. Même si les piliers et les obligations du hajj, c'est pour celui, pour le mort. Si lui, il le fait parce qu'il a envie de faire le pèlerinage, et qu'en prenant cet argent, il peut aller le faire alors que sinon, il n'aurait pas pu, c'est permis. La deuxième condition, pour que ce soit permis, par miséricorde pour le mort. Que ce soit un proche ou quelqu'un de lointain. Vraiment, ça n'y a, c'est donner une récompense à cette personne qui est décédée. Si son intention, c'est une de ces deux choses, c'est permis d'être payé pour aller faire le hajj pour quelqu'un. Si par contre, il n'y a aucune de ces deux intentions-là, lui, il partait au hajj. Il a l'argent, il part déjà au hajj. Et puis, il n'a pas spécialement envie de le faire pour cette personne lointaine. Il ne la connaît pas. C'est juste pour l'argent qu'il va le faire pour lui. Ça, c'est pas permis. Les adorations, barakallahu fikoum, c'est pas payé. C'est pour Allah seul. Tu ne fais pas ça comme un commerce. Tiens, je t'ai fait tant d'adorations, donne-moi tant. Comment ça marche? Comme Abu Bakr al-Siddiq, on lui a donné une entrée d'argent régulière pour qu'il vive avec. Comme ça aussi, les gens qui travaillent pour les musulmans, que ce soit du'at, les enseignants, les ulama, les savants, les mu'addinoun, les imams, les juges, tous ces gens-là, ils travaillent pour Allah. C'est aux musulmans de subvenir à leurs besoins pour pas qu'eux, ils aient besoin d'aller travailler. Sinon, ils s'occupent plus des musulmans. Ils s'occupent plus d'enseigner. Celui qui a les moyens, lui prend rien. Barakallahu fikoum. Il le laisse. Il fait ça pour Allah, tabaraka ta'ala. Celui qui a pas les moyens, il prend selon son besoin pour vivre convenablement. Barakallahu fikoum. Convenablement. C'est pas on lui donne le minimum.
Hein? Comment? Quelqu'un, il est, subhanallah, il est derrière des bureaux, et il gagne combien? Et quelqu'un qui enseigne le dîn, il doit prendre moins que lui. C'est quoi qui est plus cher, barakallahu fikoum? Est-ce que cette personne, s'il n'a pas assez pour vivre, après il va faire quoi? Il va dire, barakallahu fikoum, j'ai pas le temps avec vous. Moi, j'ai une famille à nourrir. Jazakumullahu khairan, je voudrais bien, mais je peux pas. Il va vous dire, jazakumullahu khairan, il va aller travailler. Il ne fait pas pour l'argent, ou pour les biens, ou pour l'honneur. Il utilise l'argent comme un moyen pour faire l'adoration, pour faire le bien, pour enseigner, pour protéger le dîn. Et il n'utilise pas le dîn, la salat, le adhan, l'ilm, la science, comme moyen pour gagner l'argent. Celui qui fait ça, il n'aura rien dans l'au-delà. Sallallahu alayhi wa sallam wa afiyah. Non. Regardez dans cette histoire, quelqu'un de la mécréance, il est passé à quoi? À la foi. En un instant, subhanallah. Et Allah tabaraka wa ta'ala, celui qu'Allah veut guider, il lui ouvre sa poitrine pour l'islam. Cette personne, il se moquait du mu'adhdhin, mais c'était écrit que c'était en vérité une personne de bien qui s'était fait entraîner par les personnes de mal. Allah ta'ala, il a choisi une mauvaise action à la base, mais il a quand même choisi pour le guider. Subhanahu wa ta'ala, tu viens à la prière, c'est par la puissance et la permission d'Allah. Si Allah ne t'avait pas permis, wallahi, tu ne peux pas venir. Donc ne te fais pas tromper, barakallahu fik. Ne te forge pas des illusions sur toi-même, car tu ne sais pas dans tous tes actes qu'est-ce qui est accepté. Et n'oublie pas qu'Allah tabaraka wa ta'ala dit فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ. Il n'y a qu'un peuple perdant qui se sent en sécurité de la ruse d'Allah. Celui qui veut prendre des exemples, qu'il prend exemple sur ceux qui sont morts, les compagnons du prophète alayhi salatu wasalam, ceux que Allah tabaraka wa ta'ala a dit radiyallahu anhum wa radu an. Ce que parmi eux il y en a, on leur a annoncé le paradis alors qu'ils sont vivants. La personne vivante, il n'est pas en sécurité d'être tenté et de s'égarer et de mourir mécréant. Nasallahu salam wa al-afiyah. Vous connaissez tous le hadith d'Ibn Mas'ud, le mukhif, que la personne elle fait les actes des gens du paradis jusqu'à ce qu'il ne reste entre lui et le paradis qu'une seule coudée, et son livre, sa destinée le devance, la devance. Et il fait un acte parmi les actes des gens de l'enfer et il entre en enfer. Pour que l'acte soit accepté, il faut deux conditions obligatoirement. La sincérité dans les actes, à Allah, pur, sans associé. Et la deuxième condition, sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car tout acte qui n'est pas fait en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est refusée par Allah tabaraka ta'ala. Il faut obligatoirement réunir les deux conditions. Naam. Comme Allah tabaraka wa ta'ala dit, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Celui qui espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse des bonnes actions, c'est ce qui est sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui n'est pas sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une bid'a. Et une bid'a, ça ne peut pas être une bonne action. C'est un munkar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. Toute innovation est un égarement. Et il n'y a pas de bid'a hasana ou bid'a sayi'a. Toute innovation est un égarement et tout égarement est en enfer. Non. On voit aussi que le responsable des musulmans, des fois, il peut donner de l'argent pour approcher quelqu'un de l'islam. Même un mécréant, lui faire des cadeaux, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait aux gens de la Mecque. Il l'a donné à Abu Sufyan et aux gens de la Mecque beaucoup plus qu'aux Ansar et aux Muhajirin qui l'avaient suivi au début. Tout ça pourquoi? Pour accrocher leur cœur à l'islam, pour les rapprocher, pour qu'ils tiennent bon. Ça fait partie des gens à qui on peut donner la zakat. Ceux qu'on veut lier leur cœur à l'islam, barakallahu fikoum, ou les raffermir en islam. Par exemple, un nouveau converti, un reconverti qui n'a pas d'argent, sa famille elle l'a laissé, il est rejeté de partout. Cette personne-là, on l'aide financièrement pour qu'il puisse s'en sortir, qu'il puisse tenir, qu'il puisse construire son avenir sans compter sur sa famille, mais compter sur sa nouvelle famille, ses frères musulmans. Non. On voit dans cette histoire l'importance de faire la dua, de demander la baraka, la bénédiction. Regardez le prophète alayhi salam qui a fait dua pour Abi Mahdoura, bil baraka. Allah ta'ala, il l'a béni et il lui a donné la bénédiction qui est la plus grande bénédiction qui est quoi? L'iman. On voit aussi dans cette histoire, barakallahu fikum, que quelqu'un qui s'est moqué d'une chose de la religion, que quand il se repent, s'il se repent, et il revient, alors la manière de se rattraper, c'est de faire un acte qui est en contradiction
avec ceux dont il s'était moqué. C'est-à-dire, s'il s'est moqué de l'adhan, on lui dit de faire l'adhan. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait avec Abi Mahdoura. S'il s'était moqué, par exemple, je ne sais pas, d'un acte dans l'islam, on lui dit fais tel acte. On voit dans cette histoire, barakallahu fikum, que la science, elle se prend à sa base. Si tu as le moyen d'aller la chercher à la source, tu vas pas chercher des intermédiaires. Regardez ce tabi'i qui a été voir Abi Mahdoura. Il a dit, je vais aller en Syrie. J'ai peur que les gens me demandent là-bas sur ton adhan. Il n'a pas attendu qu'on lui pose la question. Il s'est renseigné, il était prêt à répondre avant même qu'on lui pose la question. Et deuxièmement, il a été chercher cette histoire à la source, avec celui qui est concerné par l'histoire. Celui qui a dit, j'ai pris l'adhan, l'appel à la prière, directement de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui me l'a enseigné. Est-ce qu'il y a plus proche que cette source-là? Il n'y a pas plus proche. فَهَكَذَا. Si tu veux apprendre la science, tu vas à la source. Si tu veux être sûr d'une nouvelle, tu veux être sûr d'une annonce, tu veux être sûr d'une parole qui a été dite, tu vas à la source. Parce que chaque intermédiaire, c'est une raison ou une cause de plus pour qu'il y ait la falsification, ou bien du rajout, ou bien de l'oubli. C'est pour ça que plus la chaîne de transmission, elle est courte, plus elle est fiable. Plus elle est longue, moins elle est fiable. Non. On voit aussi, barakallahu fikum, que le fait d'avoir de la mauvaise compagnie, ça peut te faire tomber dans des choses mauvaises. Regardez, Abu Mahdoura, il était avec ces gens-là, les munafiqins, qui se moquaient, les mushrikins, les associateurs plutôt, qui se moquaient de l'adhan. Et lui, il est tombé avec eux, il a commencé à se moquer avec eux. C'est lui qui a fait l'adhan et il s'est moqué de lui, il a élevé la voix. Donc attention, barakallahu fikoum, à la mauvaise fréquentation. La mauvaise fréquentation, ça peut même te faire tomber jusqu'à dans le kufr. Nah. On voit dans cette histoire que talqin, le fait de faire répéter, ça fait partie de la pédagogie du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'enseignement. Parmi les pédagogies qu'il utilisait, c'est le fait de faire répéter. On voit dans cette histoire que les sentiments, que les sensations, en un instant, ils peuvent changer. Regardez Abi Mahdoura. Il dit, je me suis levé. Il n'y avait pas quelqu'un que je détestais plus que le prophète, alayhi salam. Il a fait l'adhan, le prophète, alayhi salam, lui a fait du'a en un instant. Il a dit, il n'y a pas quelqu'un que j'aimais plus que le prophète, sallallahu alayhi salam. Gloire et pureté à celui qui détient les cœurs, qu'il les tourne comme il veut. C'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi salam, a dit, les cœurs sont entre deux doigts du miséricordieux. Il les tourne comme il veut. Alors dites beaucoup l'invocation « Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. » Ô toi qui tournes les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Donc Allah tabaraka ta'ala, c'est lui qui te raffermit. Et c'est lui qui détient les cœurs. Et c'est lui qui les tourne comme il veut, subhanahu wa ta'ala. Na'am. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, regardez comment il a utilisé la meilleure des manières pour répondre à cette personne. Et comment aussi il a fait le bon choix. Il a entendu que Abu Mahdoura, il avait une très belle voix. Donc il l'a utilisé pour l'adhan. Donc de même si aujourd'hui par exemple un chanteur, il se repent, on lui enseigne l'adhan, il fait l'adhan, on utilise sa voix pour des choses de bien. Ou bien il apprend le Coran et il utilise la belle voix qu'Allah lui a donnée pour réciter le livre d'Allah, tabarak wa ta'ala. Na'am. Et non pas comme certains font. Ah non, c'était un chanteur, reste chanteur. Mais il chante pour l'islam. A'udhu billah. Depuis quand le chant c'est pour l'islam? Barakallahu fikum. Le chant, c'est le Coran de Shaytan. Comme il a dit Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Celui que son cœur il est pris par le chant, il ne peut pas écouter le Coran. Le Coran, il ne touche pas son cœur. Jusqu'à un, subhanallah, j'ai entendu il n'y a pas longtemps, une personne, un grand chanteur, qui s'était repenti il y a des années, il avait laissé la chanson. Quelqu'un l'a motivé en lui disant « Non, maintenant chante pour l'islam. » Il est revenu dans la chanson après des années, maintenant avec sa barbe et tout, il fait de la chanson avec la guitare. À cause d'un quoi? D'une personne qui l'a égaré, qui se prétend un savant de l'islam. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre ces gens-là. Il a dit « J'ai peur, ce que j'ai plus peur pour vous, encore plus peur que le Dajjal, c'est les imams égareurs qui égarent les gens. » Au lieu de donner un bon conseil, il l'a remis dans le fossé. Au lieu de tirer, il l'a repoussé. Regardez. Wallahi, wallahi, les gens ne savent pas le danger de la fatwa. La fatwa, ce n'est pas un jeu, barakallahu fikum. Vous savez comment l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, quel nom il a donné aux gens qui font la fatwa?
Il les a appelés les signataires au nom d'Allah, ceux qui signent au nom d'Allah. Quand tu signes au nom d'Allah, il faut que tu saches ce que tu dises, mon frère. Il faut que tu sois sur une science certaine, pas comme certains qui devancent leur passion ou leur raison ou leurs avis sur les textes. Si tu signes au nom d'Allah, sois fidèle à ce qu'Allah Ta'ala il a dit, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce que les compagnons et les a'immat al-muslimin, les imams des musulmans ont dit, sois fidèle, ne joue pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'exemple de celui qui enseigne le bien aux gens et qui s'oublie lui-même, c'est comme un cierge qui illumine les gens et qui se brûle lui-même. Et celui qui donne la fatwa sans science, dans une version sans être sûr, le péché, il est sur celui qui a fait la fatwa. Non, on ne parle pas sur la religion comme ça. « Oh, je pense que j'ai entendu, à mon avis. » Tu sais, tu as des textes, tu es sûr, tu dis. Tu sais pas, tu dis « La adri, je sais pas. » Et ça, on parle du savant ou de la personne du talib al-ilm qui est capable de répondre aux gens. Pas le commun des gens. Le commun des gens, il ne doit pas répondre aux questions religieuses. Sauf s'il transmet comme elle est la fatwa. J'ai entendu tel cheikh dire exactement telle chose avec telle question tel jour. C'est tout. Mais tu réponds pas. Tu dis pas oui, mais à mon avis, toi ça te concerne pas. Non, ça te regarde pas. Tu transmets une fatwa exactement comme elle est, t'as le droit. Mais de répondre à la question si t'es pas quelqu'un apte de ça, même si ce que tu dis c'est vrai, t'as un péché. Non. Donc on voit la sagesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne lui a pas parlé devant tous ses copains, ses mauvais compagnons. Il leur a dit, allez-vous, partez. Et il l'a gardé tout seul. Toi aussi, si tu veux conseiller quelqu'un, tu ne le conseilles pas devant tout le monde, devant ses copains. Parce que devant ses copains, l'orgueil va le prendre. Comment ça, tu me parles comme ça devant mes copains? Il va pas écouter, il va se gonfler. Tu le prends tout seul, barakallahu fik, et tu essayes d'utiliser les meilleures paroles, plus douces, et l'adilla, les preuves évidentes pour, inshallah, essayer de le convaincre. Et la guider, à la kulli hal, elle est dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. On voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dégageait une aura, une crainte. Quand ils sont arrivés devant lui, il a dit, qui a fait ça? Ils ont pas pu mentir. C'est des mouchriquines. Mais quand ils l'ont vu, ils ont eu cette crainte devant lui, ils lui ont dit direct, c'est lui. Et même lui, il a dit, oui, c'est moi. Tout de suite, il a reconnu. Et on voit ça, subhanallah, des fois à l'école. Ceux qui ont été à l'école, ils ont un professeur qui est très respectable. Quand tu le regardes, tout le monde a peur. Pas parce qu'il est valim, pas parce qu'il est injuste, mais par le respect qu'il inspire. Quand tu arrives devant lui, tu peux pas mentir. Tout de suite, tu vas dire la vérité. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait cette crainte révérentielle qu'il dégageait. Alayhi salatu wassalam. Non. On voit aussi dans cette histoire comment les compagnons, ils étaient au service. Ils attendaient l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, ramenez-les-moi. Ils ont pas dit, oui, mais pourquoi? Qu'est-ce que tu veux en faire? Comment? Ramenez-les-moi. Ils ont été, ils les ont ramenés. Quand les musulmans, ils seront, machallah, unis, comme un seul corps, et ils ont un dirigeant. Si le dirigeant, il te dit, va faire ci, va faire ça, tu commences pas, pendant 10 ans, à réfléchir ou à philosopher. Ou ton père, il te dit, va me chercher ça, tu dis, oui, mais pourquoi? Va le chercher! Il t'a dit, va chercher, point la ligne, ramène. Il veut t'expliquer pourquoi, alhamdoulilah, il veut pas t'expliquer, obéis. Hakad al-sahaba. Comme ça, ils étaient les compagnons, na'am. Radiallahu anhum. On va finir cette discussion avec quelque chose de très important. De se moquer de l'islam, de la religion. Se moquer de la religion, c'est un acte blâmable et ça fait partie des caractéristiques des hypocrites. Et on va voir en détail qu'est-ce que c'est. Abdullah ibn Omar rapporte, qui est une version sahiha, véridique, que l'imam al-Wadi'i a dit qu'elle était véridique dans Asbab al-Nuzul, dans les causes de la révélation des versets, et que tous les hommes sont des gens du sahih al-Bukhari, sauf Hisham ibn Sa'd, l'imam muslim n'a pas parlé de lui, mais il y a un shahid, il y a une autre version avec une chaîne de transmission acceptable qui rapporte cela, qui vient renforcer cette version. Naam. Donc c'est une version véridique. Ou Abdullah ibn Omar dit, une personne dans la bataille de Tabouk était assis et il a dit, j'ai pas vu des gens comme nos lecteurs de Coran, ceux-là. Ils sont gros, ils sont menteurs, en plus c'est des peureux. Il y a une personne qui était assis avec eux, il lui a dit, t'es un menteur, tu n'es qu'un hypocrite. Je vais informer le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur ce que tu dis des lecteurs du Coran. Il a été voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah ta'ala a révélé le Coran. Et Abdullah ibn Omar, il dit, Wallahi, je l'ai vu. Il était accroché aux rênes
de la chamelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avance, il ne le regarde même pas, et les pierres le cognent. Il dit, on faisait que, c'était juste pour passer le temps, c'était pour rigoler. Dans une autre version, il a dit, c'était pour le voyage, pour qu'il puisse le voyage, il puisse passer léger, qu'on ne sente pas le voyage. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, ces versets qu'Allah il a révélés dans le Coran, est-ce que c'est d'Allah, de ses signes, ou bien de ses versets, et de ses messagers, de son messager que vous êtes en train de vous moquer? Ne demandez pas d'excuses. Vous avez bel et bien mécru après avoir cru. Donc ça, ça montre bien que se moquer de quoi que ce soit de la religion, c'est du kufr. La mécréance, ça peut se faire avec la langue, ou avec les actes, ou avec le cœur, ou avec tout ensemble. On ne dit pas si c'est juste une mécréance de la langue. La personne qui se moque d'Allah et son prophète, c'est de la mécréance. Et ce qu'il a dit avec sa langue, c'est ce qu'il y a dans son cœur. Allah Ta'ala nous a ordonné de donner de la valeur à Allah et son messager et l'islam et les rites de la religion. Alors celui, il vient, il se moque de la religion, ou il se moque d'un pilier des piliers de l'islam, ou bien il se moque du paradis ou de l'enfer, il fait des blagues avec Joha, avec le paradis. Il n'a pas le droit de faire ça. Les blagues, tu ne blagues pas avec les choses de la foi, tu ne blagues pas avec l'islam. Il y a des règles pour blaguer. Tu dis pas des mensonges, tu dis pas, tu blagues pas sur l'islam, tu blagues pas avec les anges. Tu crois la foi dans les anges, le paradis et l'enfer, c'est fait pour faire des blagues. Celui qui fait ça, il a fait un acte de mécréance, barakallahu fik. Celui qui insulte Allah ou qui insulte l'islam. Maintenant, combien il y a des gens comme ça, ils insultent la religion, normal. Dans un pays musulman, on lui donnera une correction, même s'il se repent et il revient à l'islam. Barakallahu fik. L'imam al-Nawawi a dit, celui qui fait la fornication ou qui boit le vin, et pour se moquer de la religion, il dit bismillah. Celui-là, c'est un mécréant, parce qu'il s'est moqué. Et attention à ceux aussi qui se moquent des signes de l'islam. Par exemple, il se moque de la barbe, il se moque des barbus. Il dit, oh, regarde les barbus. Tu sais de qui tu parles quand tu dis les barbus? C'est Rasoul Sa'asan le barbu. C'est tous les prophètes les barbus. Est-ce que vous n'entendez pas dans le Coran où Haroun il dit à Moussa, Yabna umma la ta'khudh bi lihyati wa la bi ra'si. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, celui qui t'a dit "Wa'fu al-liha wa qassu al-shawarib." Et toi tu dis ah, les barbus. Tu te moques de qui quand tu te moques des barbus? Tu te moques de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, des sahaba, des ulama et des mu'minin. Alors attention. Cette parole là enlève-la de ta bouche. Dis pas ashab al-gandoura, les barbus, les mutawwa'. Là. Toute phrase où tu peux te moquer de quelque chose de l'islam, enlève-la de ta bouche. Car ça peut t'amener dans un danger terrible. Barakallahu fik. Les blagues aussi. Beaucoup de blagues dans les pays arabes, c'est des blagues sur la religion. Je sais pas quoi, l'ange il a fait ça, l'autre il est rentré au paradis, ma'ajabou, il est ressorti. Celui qui dit ça, c'est du kufr. Comment ça? Il y a quelque chose mieux que le paradis? Quelqu'un qui dit que le paradis, ça lui a pas plu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que kadiboullah, il traite Allah de monster. Parce qu'Allah dans le Coran, il dit qu'il n'y a pas un meilleur que le paradis. Jamais se moquer de quelque chose de l'islam. Si tu ne connais pas, tu dis je sais pas. Tu vois quelque chose de bizarre, tu connais pas, tu dis subhanallah, c'est quoi ça? Commence pas à te dépêcher de te moquer de cette chose. D'abord cherche à savoir, ça fait partie de l'islam, c'est la parole d'Allah, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si c'est la parole d'Allah et du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu dis sami'na wa ata'na. Beaucoup de musulmans par exemple, ils comprennent pas certaines peines qui sont dans la religion. Les peines appliquées pour tel ou tel acte ou telle chose. Tu comprends pas, dis, je comprends pas. Tu dis, j'ai pas compris, j'ai la foi faible, peut-être j'ai pas compris, peut-être je connais pas. Parce que quand tu vas étudier, tu vas voir que c'est détaillé, c'est pas comme tu crois, c'est pas l'image qu'on veut t'en donner. Dis, je sais pas. Ne dis pas, ça existe pas. C'est faux. Peut-être t'es en train de refuter quelque chose qui fait partie du Coran ou de la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Fahada khatarun azim. Et ça, c'est très dangereux pour toi. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم وقل رب زدني علما